dedans, en train de courir chercher des papiers hygiéniques. Oh! C'est incroyable. L'Esprit de Dieu ne t'a pas dit de rester tranquille. L'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé que c'est insensé. Au moins, chercher ça guérit. On pourrait comprendre cela. Vous savez, le jour, lorsque l'Esprit de Dieu a commencé, l'ange de la mort a commencé à frapper, n'est-ce pas, l'Égypte, et les premiers-nés mouraient, tu pouvais sentir le calme dans la maison des qui? Des enfants de Dieu. Et je te dis que, je vous dis que certains enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ont annoncé le confinement, ils étaient tranquilles chez eux. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu les a touchés. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu était veillé sur eux. Il veillait à leurs besoins. Ils n'avaient pas peur de savoir que oh, tel magasin allait se vider. Tu pouvais te promener dans la rue et puis tu pouvais sentir que la mort était en train de frapper, n'est-ce pas, chaque maison. Et tu pleures en toi-même. Où vont ces personnes-là?